ça parle crypto, il y a des alphas. Par exemple, là, je viens d'acheter du à 32 centimes. Ouais. Le mood, il est ultra cool, parce que ça impacte tout le monde, en fait, tu vois. T'es constipé ? Non. L'année prochaine, en septembre, on court à 100 km. Ça, c'est dans la blockchain. Vas-y. Ça fait trop plaisir, mec. Deuxième jour de surfing Bitcoin, un peu fatigué de la veille, mais bon, on est parti aujourd'hui encore une fois à des conférences et surtout bah on va parler à des à max de personnes quoi. Donc c'est souvent les meilleurs moments des events quoi. Ça network, ça parle business, ça parle crypto, il y a des alphas, c'est ça qu'on aime. Ça bosse ? Ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'arrive pas à aux toilettes. Comment ça, t'es constipé ? Non, j'ai envie de... C'est ouf ou quoi, j'ai envie de faire pipi là. Et j'arrive pas parce que chaque fois je me fais avec Maggie. Bon là j'ai essayé de filmer un peu des conversations mais il y avait trop des choses privées. Donc malheureusement je peux pas vous mettre tous les extraits. En tout cas j'ai un petit peu faim, je suis allé prendre des madeleines aux événements crypto, il y a de la bouffe et des goodies partout. Donc à chaque fois, en tout cas il y a aucun souci là-dessus. Et bah, sinon là on va faire le tour mais il y a pas grand monde. Hein. Là je pense les gens, je vous dis les gens ils font à chaque fois des soirées. Les autres jours il y a plus personne quoi, le matin en tout cas faut pas compter sur ça. Et là on va aller voir s'il y a pas des gens qu'on connaît. On pourrait en faire un même, tu sais, je vais augmenter la saturation, genre le trigger. Alors, votre avis sur la conférence Surfing Bitcoin de 2023 ? Bah, c'est cool, hein. C'est le lieu aussi, c'est incroyable. Les de Paris ou des grosses villes. L'année prochaine, je reviens. Moi aussi, assure. C'est l'ambiance, les gens ils sont un peu en vacances. Ouais, là c'est mode vacances. Tu profites. Même, regarde, t'es en bord de mer comme ça. C'est quand t'es dans l'endroit, t'as beaucoup de touristes. Le mood il est ultra cool. Parce que ça impacte tout le monde en fait, tu vois. Ah ouais, les gens ils sont là pour passer un bon moment, ils viennent pas pour vacances, faire la gueule. En voyage, ouais, c'est vrai. A votre avis, où est passé Edgar? Il est parti rechercher de la nourriture. Donc là, on m'a laissé en plan. Je suis tout seul, mais voilà, je profite du plat. On m'a lâché pour la... Ouais, ils reviennent, les gars. Ils reviennent? Ouais. C'est pour ça que je profite de voler la caméra. Si vous voulez développer un réseau dans l'écosystème Web3, n'hésitez pas à vous déplacer dans les événements physiques puisque c'est là où vous allez pouvoir connecter au mieux avec des personnes qui ont la même vision que vous. Par exemple, là, je viens d'acheter du Sandbox à 32 centimes. Ouais. Et je pense qu'il va très très bien performer à la prochaine bulle. Surtout si tu regardes tout l'écosystème qui construit autour, plein d'entreprises. Ouais, beaucoup de marques Web2. Ils sont très très forts pour faire des partenariats. En plus, le nombre de terrains est fini. Donc là, je viens d'acheter un terrain supplémentaire aussi à 500-600 $. Et je suis persuadée que la prochaine bulle, ça va super bien performer. Mais ici, on rencontre des tas de gens qui ont des tas d'opinions diverses sur plein sur de métavers, projets. Ouais, carrément. Et ce qui est génial, ce sont les builders qui sont ici, ce sont les vrais. On est un peu, entre guillemets, entre nous, les vrais connaisseurs. Surtout en plein bear market. En plein bear market. Mais c'est là où c'est le plus intéressant. J'adore discuter avec chacun. J'ai du mal à rester assise dans les conférences, mais j'adore discuter dans les couloirs. C'est les meilleurs moments, carrément. C'est les meilleurs moments, t'as raison, j'adore ça. Les conférences, t'interagis pas trop, tu les écoutes, mais quand tu peux parler, tu vas poser des questions en direct, c'est bien mieux. Oui, et puis les conférences, tu peux pas mettre en vitesse accélérée comme sur YouTube. Sur YouTube aussi, tu mets en x2. Ah, oui. Mais il y en a par contre, Mathéo, tu peux pas le mettre en x2. De base, en direct, sa vidéo est en x2. On vient de parler pendant 1h30 avec Chantal Lang. Là, on fait une petite pause pour se libérer un peu l'esprit parce que là, c'était plein d'informations, c'était hyper intéressant. Plein de petites cryptos intéressantes sur lesquelles on peut jeter un petit coup d'œil maintenant. Baisse drastique du cash, ce qui n'est pas du tout le cas des. Il y a pas mal de monde et c'est des conférences plutôt intéressantes. Elle a commencé ses essais, ses tentatives. Mais en vlog, ça rend pas bien. Petite pause glace, hein. C'est les vacances, faut bien manger quand même. Eux, le gouvernement, ils sont fans de ça, ce sont des grosses cliniques, mais c'est dans vraiment plein de petits points et la population est très disparate. Bitcoin à 10 000 $, ça devient sérieux là. Arrêtez tout les gars, catastrophe écologique. Hein. Si on continue comme ça, dans 3 ans, il n'y a plus d'électricité pour personne. Lisez Newsweek, Bitcoin à 70 000 $. Il se réveille, docteur. Bonjour monsieur, vous avez fait un petit accident vasculo-cérébral. Test de la parole, dites-nous ce qui vous passe par la tête. Bitcoin à 100 000 $. Rupture d'anévrisme. Vas-y là. Il y a de la bouffe là-bas, il y a de la bouffe. C'est de l'eau. Alors le bloc culinaire reprend là, non? Ah oui, carrément là. Ah. C'est de l'alcool, mec. Ah ouais, c'est bien imbibé d'alcool. Ouais, je vais être bourré, hein. Ma daronne est une experte en macarons. On va goûter ces macarons. Maman, si tu regardes mes vidéos, tes macarons sont meilleurs. Bon, les gars, là, c'est complètement fou. J'étais en train de parler à JN. Et les gars. Et là, on vient de se décider. On a parlé
un peu de course. Et là je lui dis mais l'année prochaine moi je vais vraiment faire un 100 km. Et là il me fait bah mec viens 100 km de mieux. Et on s'est dit viens on le fait ensemble. Et là voilà c'est la date, c'est acté. Historique. Et dans cette vidéo en plus comme ça je m'engage. L'année prochaine en septembre on court un 100 km. Ça c'est dans la blockchain, ça changera pas. On les fait mec. Vas-y. Ça fait trop plaisir mec. Putain en vrai c'est stylé vraiment. 100 km. Ça sera documenté les gars. Les gens ils ont envie de voir que tu marches bien, que tu cartonnes. Ils veulent voir tes succès. Ah ok. Ça fait 5 mois je me dépasse pour monter ma boîte et malgré les difficultés on persiste et tu vois un truc genre. Ah là c'est bon ça like. Là, c'est vrai. Okay, tu mets ta gueule dessus, tu mets ça, ensuite tu fais un petit blabla, pas trop long petit blabla en mode je sais pas, après tu racontes ta life, tu vois voilà, on a eu des clients, c'était difficile, blabla et tout. Là c'est bon, normalement ça marche. Ok, vas-y bah. C'est la fin de l'aventure. Il est quelle heure? Ah, il est tôt, hein. C'est compliqué pour le game. 6h. Et 6h05. Après, bon. T'es qui, toi aussi? J'ai les yeux hier, j'en pouvais plus, j'avais les yeux qui allaient se fermer. Putain, on parle pas. De manière. On articule pas très bien. Bon, on part de Biarritz. C'est bon, c'est officiel. Il pleut. Donc, on part au bon moment, je pense. C'était incroyable, je pense qu'on est d'accord, les gars, non? Ouais, c'était. Meilleur event, je pense, pour le moment. Beaucoup de networking, beaucoup de rencontres, hyper intéressant bah, niveau business, que ce soit bah, pour Crypto Mafia, pour donc, la création de contenu, des personnes avec qui collaborer, mais aussi bah, pour l'agence Bluestone, l'agence de community building que j'ai lancée avec Alex, qui est juste là. Salut les gars. Et des rencontres humaines sympas quoi en plus, donc vraiment c'est un mixte de travail et de vacances, donc le kiff. Vraiment. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt. Salut.